Bonjour à tous, c'est Yaya Big Boss. On se retrouve pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sortis en 2016. Il s'agira de la référence 70602 Jace Elemental Dragoons. Donc c'est le quatrième set de cette vague. Il contient trois personnages, une lame de Jin, un petit véhicule pirate et le dragon élémental de Jay. Donc là, j'ai entendu dire qu'il y avait le nom à quelque part. Je ne l'ai pas franchement trouvé. J'ai vu déjà sur certains, il y a le nom à quelque part. Et ben, faut le savoir. Donc, les différents mécanismes. Donc là, c'est comme un mécanisme, car... on le verra ensuite, c'est un pistolet grappin. Si vous allez dans l'application, ici, eh bien vous avez ce petit mode. Voilà, vous avez le droit d'avoir ça. Je trouve ça quand même assez cool. Petite référence au jeu, un pistolet grappin, voilà. Et vous l'avez dans le jeu pour grimper dans des endroits plus hauts. Comme ça, je sais parce que j'ai le jeu, je l'ai téléchargé juste pour ça. Donc, je sais ça. Les mécanismes et tout, la petite scénette au milieu, on le connaît vraiment, 1-1 d'un ninja, voilà, en l'occurrence, Jay, l'âme de Jin, Siren, Monkey Wrench, et le signe Ninjago, petite pub pour le Lego Club ici, et plutôt en longueur en fait, la boîte en longueur, et pas trop épaisse, donc voilà. Et maintenant, non, 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 je ne vais pas l'oublier. Eh ouais, les modes d'emploi. Je n'oublie pas. Donc, la première partie, on fait ça du dragon. Siren, Monkey Wrench et Jay avec le petit véhicule volant de Siren. Et ça du dragon. La petite gagne avec Lloyd. Alias le ninja vert, je pense que vous le savez. Donc, on a le deuxième mode d'emploi. Ouh, j'ai des pièces du dragon qui commencent à tomber. C'est pas franchement cool. Donc là, en 106 étapes, voilà, en tout. Là, la petite scénette, la pub en grand poster. On commence vraiment à connaître les 7 modèles, Nadakan et la liste des pièces sur 2 pages, le Lego Club à la fin. C'est toujours comme ça avec 2 modes d'emploi. Le premier, on a la gagne. La deuxième, on a la pub pour le Lego Club. Voilà. On va être très rapide sur cette vidéo aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, maintenant, parce que... Avant, j'ai fait la vidéo sur le Sky Shark et j'étais franchement lent, lent et lent. Et ben là, ça va fuser, voilà. Donc on enchaîne direct avec Siren, voilà, membre rapproché de l'équipage de Nadakan, qui est le grand méchant de cette première vague. Là, double fourreau, imprimé bien sûr. Là, un imprimé de jambe qui ne lui est pas propre, voilà. Le petit fourreau, la tête, double imprimé, une fois très en colère, et une fois en regard un peu fucker. On va mettre le regard en mode fucker. Elle vient avec la coupe de cheveux. Ce moule a été utilisé dans Avengers, dans Lego Marvel Avengers, Age of Ultron pour Black Widow. Et sinon, je ne sais pas trop. Donc voilà pour Siren. Elle rend plutôt pas mal, car dedans, on ne met pas des katanas, mais des petits sabres de pirates. Donc là encore, pas mal. J'aurais jamais pensé à ça. Franchement, cool. On enchaîne. On est dans des pirates. Monkey Wrench. Donc, en fait, c'est un moule de singe avec 4 mains et une en métal. Je sais pas quel accident il a eu ou comme ça. Il vient avec un sabre de pirate et le pistolet grappin. Donc le pistolet grappin, c'est un pistolet lance-tenon. Mais sur ce tenon, on a accroché
une chaînette avec le petit grappin. Ce qui fait que quand on lance, ça reste accroché grâce à la chaînette ici. Et du style, vous pouvez avoir quelqu'un qui combat là, avec le pistolet lance-grappin, vous pouvez accrocher, voilà, comme ça, tac, et vous le tirez vers vous, ou je sais pas vraiment. Je viens d'improviser, si jamais. Donc, voilà pour ça, et c'est Monkey Wrench qui a le droit à son pistolet grappin. Franchement, là aussi, vraiment cool. On enchaîne avec Jay, en mode 2016 Wagyu. Et oui, enfin, les petites épaulettes. Jamais vu dans les trois premiers sets Ninjago 2016. Donc, je récapitule le petit Dragon Call, Ninja Bike Chase et le Sky Shark. Donc, Jay avec un seul imprimé cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci, car dans le vaisseau de la malédiction, il a double imprimé. Donc, deux katanas dorés. Et voilà pour Jay, la lame de Jin qui contient Nia. Voilà. Et dans le vaisseau de la malédiction, je vais pas spoiler. Donc, je ne dis rien. Mais il y aura aussi une petite différence. Mais je ne spoile pas. Donc, on commence. Ah non, on commence pas tout de suite avec le dragon. Il y a d'abord le petit Aero Sonic de Saiyan. Comme ceci, j'ai pas tout démonté parce que ça se voit franchement comment c'est fait. On commence tout par une pièce en S ici. On accroche des accroches à sabre et tout. On met le petit drapeau. Voilà, emblématique des pirates quand même. Et un pistolet lance-tenon. J'ai mis un petit tenon en plus pour faire plus joli car franchement. Je trouvais pas très très joli comme ça, donc j'ai changé. Donc, en gros, si vous tirez super vite en tournant ça, ça tire des tenons, voilà. Et je viens de perdre un tenon. Non, je l'ai retrouvé. Donc, je vais pas tous les tirer. Mais voilà à peu près pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça fait un beau truc à l'avant, quoi. Ça enlève tout le dynamisme du début. Mais encore assez stylé encore. Les pirates, là, dans ce set, ça envoie du lourd, hein. Un fourreau avec 10 sabres de pirates. Un pistolet lance-grappin. Un multimissile. Waouh, c'est franchement. L'ego, il a fait fort sur ce set, hein, quand même. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc. On commence tout par la base, voilà. Ça qui servira à accrocher les ailes, ça les pattes, ça la tête et ça la queue. Donc, bon, tout simplement, on va mettre déjà la queue. Un assemblage de petites pièces avec au bout, pas mal. Franchement, Lego, là, ils ont dû s'embêter à faire ce set. Et vous allez dire, mais pourquoi il y a un bâton? Et ça, eh bien ce n'est pas un bâton, car si vous voyez au milieu, c'est une serbacane. Voilà. Donc, serbacane et fléchette, qui est un truc emblématique dans la série. Mais je ne vais pas en dire plus. Pas de spoil. Voilà. J'aurais aussi pu dire un spoil, mais bougez-vous les oreilles ou comme ça. Et ben non, je ne dis rien du tout. Là, deux pistolets, deux pirates, donc on se demande un peu ce qu'ils font là. Et un siège, tranquille. Voilà. Et là, rien ne viendra là-dessus. Je trouve bizarre. Donc ça qui partait. Comme ceci. On va continuer par les pattes. Donc simplement une pièce comme ceci qui bouge comme ça et qui bouge comme ça. Ou vous pouvez la tourner comme ça. Donc, avec la patte, Bon John, un petit assemblage. Assez cool à monter quand même, mais 4 fois. Donc il n'y a pas de différence, patte avant, patte arrière. C'est tout le monde pareil. Voilà. Si t'es pas content, c'est la même chose. C'est le même prix. Donc. Voilà pour les pattes. Ah non, il en manque une. Parce qu'un dragon à 3 pattes, j'ai jamais vu ça.
J'ai vu un dragon à quatre têtes dans Ninjago, mais à trois pattes, franchement, il pourrait faire en fait, ça me pourrait donner cool, mais bon. Ou un mecha à trois pattes, ça pourrait donner peut-être bien. Ouais, non, c'est un peu con. Et puis bon, je voulais vous raconter une sorte de petite blague, mais bon, c'est pas franchement super drôle. Je vous la ferai à la fin. Donc là, faites avec la mâchoire, faite avec un truc de barbe d'acier dans Lego Movie. On m'a fait savoir. Sinon, la tête un peu large, voilà. Mais on l'accroche d'abord là-dessus. Et ouais, pas tout de suite. Comme ça, pour accrocher les chaînettes de la selle. Et oui. Donc, je vais régler ça comme ça. Et voilà. Donc, on a notre tête de dragon qui est terminée. Et ça rend mieux comme ça. La queue, c'est pas encore trop ça. Qui dit dragon? Qui dit dragon dit forcément des ailes. Donc, on commence d'abord avec cette petite pièce. Lance-fléchette. Donc, voilà. Ça lance très loin. D'ailleurs, Lego nous en donne une de plus. Donc, c'est toujours pas mal. On met ça comme ça. On prend cette pièce-là avec plein de pièces élémentales. Là, transparent. Super cool encore. Et comme ça. Et là, on accroche ici sur le bon jeune. Comme ça. Je sais pas comment faire pour que. Je sais pas pour que il arrête de tomber ce dragon. On va mettre comme ça. Voilà, il va arrêter de tomber maintenant. Comme ça. À force de parler, là, ça fait deux vidéos que je parle d'affilée. Enfin, c'est la deuxième vidéo. Donc ça commence un peu à fatiguer, j'ai parlé, parlé, parlé. Et donc là, on peut mettre J si on veut dessus. Et voilà. C'est vraiment fatigant ça. Et là, non, on n'aura rien. Là, c'est censé faire des trous de nez, voilà. Petit lol, lol. Bon, on va mettre J dessus, comme ça. Et là, on lui met les accroches de chaîne, si j'y arrive, bien sûr, faut que j'y arrive. D'accord. Enfin bref, no comment. Un gros petit problème. On a un gros, gros, gros petit problème. Et voilà. Donc, franchement, là, un problème un peu grave. Voilà. Et oui, mince. Donc, on va refaire ça comme ça. C'est vraiment un gros problème. Bon, vous aurez une partie de construction, voilà. Je vais essayer de reconstruire comme je peux. Mais bon, c'est pas gagné. Je sais plus ce que je voulais mettre. Ah oui, je voulais accrocher J dessus. Ben, c'est pas une réussite, hein. J'aurais dit que oui, mais non, c'est pas une réussite du tout. Donc là-dessus, comme ça, c'est vraiment une catastrophe. Malheureusement, je l'ai fait en vidéo, voilà. C'est pas quand j'essayais de mettre J autrement. Ça aurait pu quand même, ça aurait été un peu mieux que là, pendant que je suis en train de faire une vidéo, franchement, j'aurais pu passer, hein, franchement, là, Lego, merci quoi. Vous me donnez du travail supplémentaire. Bon, je rigole, c'est pas trop grave. Voilà, il est de nouveau terminé, notre dragon. Enfin bref, je ne vais pas vous mettre les chaînes du AG. Parce que franchement,
J'ai pas envie de reconstruire encore une fois. Donc le lance-missile, Monkey Wrench, Siren. Et donc, si vous vous demandez Siren, ouais, on peut la mettre dessus et tout, bien oui, ben cette accroche permet d'accrocher son sabre. Ce qui fait que, pas comme le Sky Shark où vous devez poser à côté, et bien non, là vous pouvez même l'asseoir dans son véhicule. Comme ça, vous pouvez l'accrocher comme ceci. Ah, comme ceci. Voilà, et ça va parfaitement. Bon, Monkey Wrench. Voilà, on peut s'accrocher si vraiment ici. Donc, oui, les personnages exclusifs. Bon, Jay, j'ai dit qu'il n'était pas exclusif. Siren, oui, est exclusif, si on compte pas le pack promotionnel, bien sûr. Tout comme Kai, hein, il est aussi dans un modèle promotionnel. Et Buko, le pirate avec la barbe rousse. Monkey Wrench est non pas exclusif à ce set, mais le pistolet grappin, oui. Mais il est aussi dans le vaisseau de la malédiction, Monkey Wrench, mais sans pistolet grappin, malheureusement. Jay aussi, dans le vaisseau de la malédiction. Et j'oubliais l'homme de Jean, quand même. Et avant de vous faire la petite conclusion, on va quand même faire cette blague que je voulais vous faire avant. Alors c'est un tubé qui discute avec un patron. Le patron vous dit, je vais te poser des questions, et si tu réponds faux, tu me files un bal. Le tubé il dit, ok, mais si c'est toi qui sais pas répondre, tu me donnes 10 000 balles. Le patron il dit, ouais, ok, pas de problème. Et puis, le patron, il pose une question au tubé. Il demande, qu'est-ce qui est rouge, qui est rouge et blanc, inventé par Coca. Bon, ça, c'est un peu... Voilà. Qui apporte des cadeaux aux enfants. Eh bien, le tubé, il dit, je sais pas. Tiens, 1 euro. Enfin, 1 bal. Donc, après, il repose une question, le patron. On a un père et une... je sais pas, tiens, 1 bal. Et du coup, il dit, c'est bon, vas-y, pose-moi une question. Le teubé, il dit, qu'est-ce qu'il y a une patte le matin, 3 pattes à midi et 9 pattes le soir. Il réfléchit, le patron, il réfléchit, il fait des calculs et tout. Pour finir, il lui dit, je sais pas, tiens, 10 000 balles. Mais en fait, c'était quoi la réponse? Je sais pas, tiens, 1 euro. Et voilà, c'était la petite blague. Voilà. Et comme ça. Donc maintenant, la conclusion, après cette petite blague, pas spécialement drôle, mais voilà, j'avais quand même envie de la faire. Comme ça. Alors, je vous le conseille. Oui, totalement, totalement. Le truc lance-missile est totalement cool. Le fourreau avec les sabres. Trop cool, franchement, waouh. Monkey Wrench avec son pistolet grappin, waouh, aussi vraiment cool. Et le dragon aussi. Mis à part les 4 packs, la même chose, la tête un peu allongée. Trop cool ce set, je l'adore. C'est pas mon préféré, bien sûr, c'est le Sky Shark, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, oui, je vous le conseille totalement. Mis à part la sélection de personnages. Il n'y a que Siren qui est exclusive à ce set là. Si on ne compte pas le modèle promotionnel. Donc, je vous le conseille vraiment. Mais si vous voulez juste des personnages exclusifs, il faudra vous procurer Vaisseau de la Malédiction, le Zeppelin Red et Tiger Widow Island. Les 3 modèles les plus coûteux quoi. Voilà, vous prenez les 3 modèles les plus coûteux. Et vous avez tous les personnages. Sauf Siren. Et bien sûr, Jay. Vu qu'il est les deux fois différent. Nia, vu qu'elle est les deux fois différente. Vous avez pas Siren, vu qu'elle est exclusive à ce set-là. Ça, c'est pas très 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 grave, si vraiment. Vous avez... Cole. Qui est différent les deux fois. Bon, après, c'est pas trop grave. C'est le modèle entrée de gamme. Il coûte
quoi, 10 balles. Donc, ouais, je crois qu'il coûte 11 euros, 11 francs 80, voilà. Donc, je vous le conseille totalement. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Si vous avez like, aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des amis fans de Lego Ninjago ou Lego Shima, ou enfin simplement de Lego, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Et je vous dis à demain pour la présentation du Red Zeppelin. Voilà, alors salut à tous!